Quatrième jour, matin. Ça pique un peu le rhum, hein? Ce matin, il fait très beau. Aujourd'hui, on rentre à la maison. Et parce que après coup, je me suis dit, mais tu leur as pas vraiment montré tes petits cadeaux. Donc, je vais vous montrer. Il y a eu le très beau collier et je vous montre le gros cadeau. Pendant que nous y sommes, j'ai également eu, et ça, c'est super, de chez Maison du Monde, deux coussins pour mettre, vous savez, sur le canapé du bas qui est d'ailleurs dans un piteux état, pour changer avec un plaid. Mais c'est un plaid qui est pas, c'est pas le plaid très très, comment on dit, avec de la moumoute qui tient chaud. Il est beau, hein. C'est beaucoup plus léger et les couleurs comme ça, un peu nude nature, ça va rendre super bien. Et surtout, c'est l'ensemble. Donc ça, je l'installerai en rentrant. Et que je réfléchisse. Ah oui, également un chemisier. Bon, je me dis, je vous montrerai sans doute plus tard. Voilà mon cadeau, si vous me suivez. C'est la caméra de vlog, la nouvelle caméra que je voulais. Et bah, je l'ai eue, avec la petite bonnette au-dessus et tellement de capacités sur ça. Je suis justement en train de tester. On a également la perche, ça ressemble à ça. La moumoute, comme je l'appelle. Et bah, je regarde toutes les fonctionnalités en fait. Il est super. Regardez, mise en Oui, abîme. je crois pas. Peut-être une journée comme ça, mais je pense pas. Regardez. Pense pas que. C'est hyper net d'ailleurs. Mais c'est surtout la bonnette, quoi. C'est ça qui va être important. Parce qu'à chaque fois, vous avez vu, ça fait dès l'instant où il y a du vent ou quoi. C'est pas terrible, vous me le dites en plus. Donc là, on va tester. En rentrant, je vais tester. Faut que je vous montre aussi. Donc on a installé une piscine pour les oiseaux. Faut savoir que les oiseaux aiment bien venir se rincer les ailes. Donc on attend, en fait, j'attends qu'il y ait des petits oiseaux qui viennent. Ça, c'est les mangeoires. Nous avons le figuier de mon papa. Il l'arrose tous les jours, il lui parle. Mais bon, je pense pas que là, ça donne. Il y en a une, voilà, forcément. Ça, c'est tout ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est agréable. Pommiers, poiriers. Il y a pas mal d'arbres fruitiers. Et des oiseaux. On a des petits écureuils, franchement. Ça fait du bien. C'est la Normandie, quoi. Et là-bas, on a un petit Eric. Tant qu'à vous montrer les cadeaux, voilà le chemisier que j'ai eu. Il est super joli, ça, le côté manche. Il est neuf, donc je vais pas le mettre. C'était juste pour essayer, je le laverai d'abord. Mais est-ce que ça rend bien? Je suis pas sûre que vous voyez bien. Les petites manches bouffantes, là, c'est légèrement cintré. C'est très mignon. On est en train de faire le lit et tout, puisque je vous dis, on va parler, partir après. Et, pour changer ce midi, on va au resto. Changement de look. Bistrot italien. C'est bon, il fait bon. Vous êtes prêts? Vous avez faim un petit peu? Un peu. C'est vrai? Et toi, Eric, t'as pris deux pains au chocolat et un croissant ce matin et t'as faim quand même? C'est sympa. Du coup, on n'a même pas été dans le centre de la ville depuis le début. On a fait que la périphérie à chaque fois. Mais c'est tellement agréable. Oh, c'est cool, ça fait très chapiteau. Ok. Là ou alors qu'il y a un. Moi, je vais peut-être prendre également une salade, je pense. Un truc un peu light, là. Des œufs cocottes. Avec HC+, des chips de parmentier, je crois. Bah, c'est original, hein. Je sais pas où sont les œufs, mais. Merci. Waouh! Petit à vous, je vous le pain, ketchup, mayo, moutarde, vous avez déjà. Un peu de pain. Je mange pas ce soir de pain. Je passe directement à demain matin. Tu crois? Au dessert, et j'entends le petit canard qui s'énerve un petit peu. Ah bah voilà, il plonge. Il fait super chaud. Très très chaud. Oh non, mais c'est la fête là! C'est le moment de partir. Au revoir au jardin, il fait extrêmement beau. Je pense que je vais vous retrouver à la maison avec bébé Jackie. Il va être content de revoir sa maman, son papa. Je vous dis à tout de suite. Viens voir maman. Oh oui. Oh. On est parti 5 jours, enfin 4 nuits. Viens. Il n'était pas tout seul. Là, il fait genre, mais il n'était pas tout seul. Voilà. Je résume les 4 jours. C'était super bien.
Mais vraiment, comme je disais en entrant en voiture, c'est des paysans. Ça fait un bien fou. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire les sacs. Par contre, en arrivant, il pleuvait. Bon, c'est pas bien grave. Je vais tout défaire. Et ça va être tranquillou, tranquillou. Je crois qu'il y a un chat qui est tout content de retrouver sa maman. Il n'était pas tout seul, hein, je vous ai dit. En tout cas, il y avait toujours du monde pour au moins le nourrir. Oh, t'es content d'avoir retrouvé ton papa et ta maman, hein, j'ai l'impression. Tu es tout doux. Tu as un chat qui est tout doux. Oui, oui. C'est top. Oui, je vous disais, c'est ça. Vous voyez pas? Bouton, bouton. Là, j'en ai plein, plein, plein. Là, solo, j'arrive pas à les camoufler. C'est limite, j'ai l'impression que j'ai un bouton par jour. Bah, il m'avait prévenu, hein. Les 6 premiers mois, ça risque de... Puis après, ça continuera, mais... Bon, on verra. Allez, je monte, je fais ma petite valise et je vous reprends demain. Bah, demain pour moi, en fait, et tout de suite pour vous. Nous sommes le lendemain. Bah, on a pris nos habitudes, on a repris nos petites habitudes. On va aller marcher, il fait frais, ça c'est cool. Et après, je vous en avais pas parlé, mais j'ai une collab avec une marque de maillots de bain, oui. Je vais donc faire une vidéo exclusive dans laquelle je vais présenter les 5 maillots de bain que j'ai reçus. Ça va me prendre un bon moment entre ça, le montage, présentation. Au début, j'hésitais quand même parce que c'est pas évident de se mettre en maillot de bain, mais bon, j'ai dit allez. Go, de toute façon, je vous expliquerai pourquoi, je vous expliquerai tout ça. Mais pour l'heure, je crois qu'Eric m'attend. Ça y est, le sport est terminé. Je peux vous dire que la reprise était compliquée parce qu'on a, je crois qu'on est allé assez vite. On est parti un peu plus tard. Et bon, ça fait toujours autant de bien. Ce que je voulais vous montrer quand même, c'est ceci, les fameux 5 maillots de bain que j'ai reçus. Donc je les ai déjà regardés, je les ai très rapidement. D'ailleurs, il y en a deux que j'ai pas essayé. Je voulais donc voir. C'est la marque Cup She. Et j'ai essentiellement voulu tester les fameuses culottes très haute parce que je trouve ça tellement jolie sur certains modèles, mais je ne savais pas avec ma morpho si ça allait aller. Donc il y a ça que je vais vous montrer, je crois que j'en ai 3 avec des culottes hautes. Et j'en ai 2 comme ça, avec, c'est des une pièce, celui-ci, mais c'est mon grand coup de cœur. Le problème, celui-ci, c'est qu'il écrase un peu la poitrine, donc quand t'as déjà pas une grosse poitrine, à voir. Et celui-ci également, rapidement, qui est comme ça. Et ce qui est bien, c'est que c'est même des maillots de bain, tu peux les mettre avec des jeans, ça fait des petits hauts. J'ai tout ça à faire. Je vais arrêter maintenant ce vlog parce que bah déjà, il faut que j'aille prendre ma douche, prendre mon shampoing, me préparer pour la présentation maillot de bain. Et on se dit très certainement, on se retrouve donc demain pour la présentation maillot de bain et après-demain pour la suite des vlogs. Je vous embrasse, salut.